Nous avons préservé le protocole de Kyoto en tant que fondement du combat international contre le réchauffement climatique, et c'est une bonne nouvelle. Il n'est pas totalement finalisé, mais le sera dans un an. Ce qui est sûrement plus important, c'est que les gouvernements ont accepté de négocier pour un accord plus large qui lie légalement tous les pays. Mais ce qui manque, c'est une action urgente entre maintenant et quand l'accord prendra effet, ce qui ne sera pas avant 2020. Et si nous voulons nous attaquer sérieusement au changement climatique, nous devons en faire beaucoup plus entre maintenant et 2020. Cela inclut une plus grande réduction des émissions et plus de financement via le Fonds vert pour le climat. Les économies émergentes doivent de plus en plus faire un choix entre continuer sur la voie polluante du développement que les pays industrialisés ont suivi ou essayer un autre chemin basé sur les énergies renouvelables, les emplois verts, la croissance durable, et c'est cette voie sur laquelle nous pensons qu'elle devrait s'engager. Nous avons donc besoin d'un cadre international qui encourage, aide à financer et facilite cette transition. Ce ne sera pas sans douleur et donc une aide financière est nécessaire et elle doit venir des pays développés.